Yo, salut, c'est Shadows, et on se retrouve pour la Star Road de Super Mario World Master Quest 7. Donc, considéré comme le monde 8. Donc c'est parti. Un monde très froid. Ça glisse. Je crois qu'il y a tout le temps des sorties secrètes. Un peu comme le jeu original. Hein. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont être durs? Est-ce qu'ils vont être faciles? C'est la question. Allez. Ok. Avec la plume, ça va en tout cas. Pas trop de mal. Malgré un petit coup de lag de temps en temps. Ça c'est dû au fait que je capture, hein, et que j'enregistre ma voix. Alors là il y a une étoile. On va la récup. Hein. On va essayer de se faire des vies. Alors on va commencer par sortie normale. Hein. Voilà, bah, il y avait la clé, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Et ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pas récupéré de points de vie. En tout cas, ouais, on fera la sortie secrète après. Hein. Je sais. Merde. Je sais plus où elle est. On a vu la clé, mais non, faut trouver le trou, quoi. Allez. Ouh, il a du mal à avancer, Mario. Ça glisse, hein. Là, c'est une fin qui nous mène à rien du tout. Hein. Voilà. Donc, c'est pas la peine. On va recommencer. Et j'ai presque envie de voler d'ailleurs. Mais bon. Ce serait pas drôle. Oh! Ça commence bien. Allez, on va le faire petit, hein. Ok. Ok. Ah, il a failli manger. Allez! Puis ce niveau il est pas trop dur. Cette fois on va essayer de récupérer une petite vie. D'ailleurs je viens de récupérer une avec avec les pièces. Bah alors là, des vies ça y va. Voilà la clé donc. Alors. Voilà, bah c'est ici, simplement. Et j'emmène le couple avec moi. Allez, on est fou. Allez, monde 2. On va essayer de faire ça rapide. Hein. Déjà, ça, j'aime pas trop. Ok. Ok. Là, on va y aller doucement. Pour une autre côté. Parce que je le sens comme ça. Hein. Si je fonce. Ok, bah tu vois, déjà là, faire gaffe. Ok. Oh là! J'ai de la chance. De la chance. Je crois qu'il y a une pièce en haut. Ah non, c'est une clé. Ah tiens. Ah, vu que j'ai la clé maintenant, je vais essayer de faire la sortie secrète. Hein. Voilà, ouais, je pense. Ouais, bah. Simplement.
Allez, on refait la salle normale. Donc cet épisode risque d'être très rapide hein, si les niveaux sont aussi faciles. Enfin, on verra. Ok. Pas peine de récupérer la fleur. Hein. Ok. Là, j'oublie pas le coup pas. Ça, c'est des musiques de New Super Mario Bros. Wii, je crois. T'es merde, merde, j'ai paumé ma petite fleurette, petite fleur. Ah bah. Bah, sortie, hein. C'était pas compliqué. Hein. Pourvu que ça continue comme ça. Là, il reste quoi? 3 niveaux. C'est parti. Hein. Celui-là, je m'en rappelle aussi, ouais. Je m'en rappelle. De toute façon, de souvenir à l'Astaroth, c'est que des mondes de glace, hein, de neige. Toi, je te bâche. Ah, allez. Non. Non. Ah, allez, boulet. Ok, là à mon avis il y a un petit champi. Que dalle. Ok. D'accord. Même pas. Même pas tu peux rentrer là-dedans. Oh merde. Ok. Simplement. Très simple. Vraiment très simple. Hein. Je m'attendais à pire. Comme quoi. Hein. C'est pas parce que c'est Astaroth que c'est compliqué. Enfin tant mieux, on va pas se plaindre. Enfin, si je me plains un petit peu là, c'est trop facile quand même. J'y galère pas trop comme, comme j'ai galéré sur certains châteaux par exemple. Enfin bon. Tant pis hein. J'ai eu chaud là. Hein. J'ai eu chaud. Ok, je peux passer par en haut. Et là on va pas se faire toucher, on va éviter quand même. Et on va continuer le chemin. Oh merde. Ah bah je suis coincé là. Oh merde, il y avait un plafond. Ah même si c'est simple, je meurs quand même hein. C'est pas parce que j'ai trop confiance, c'est pour ça. J'ai trop confiance. Ça va pas ça. Non. Ah merde. Ouais cette fois c'est la bonne. Ok. En avant. Non, là. Il est là, champi. Ok.
Ok. Allez! Allez, Mario! Bien. Là, on va pas faire la même connerie, hein. On va passer par au-dessus. Ah, merde. Ok, pour l'instant ça va. Je pense que c'est bientôt... Bah, c'est la fin. J'étais à la fin en plus. Frustrant. Voilà. De toute façon, c'est souvent comme ça, hein. Mourir à la fin. Allez. Quatrième niveau. Très joli, Bagwan. Avec les petites étoiles qui brillent. Est-ce qu'il va être chiant celui-là? Je ne sais pas. Là, je ne sais plus. On ne sait pas, on ne sait plus. Ok. Oh! Ok, j'ai... Je vois à peu près comment sauter. À peu près comment sauter, pardon. Ok. 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 Oh, je sais pas où je vais. Ah oui, là je me rappelle de sortie secrète. Je crois qu'il y a une clé qui tombe dans la neige, il faut la récupérer. Et le trou est caché dans la neige aussi. Trou de serrure. Voilà. On va faire sortie normale avant. Voilà, le trou ici, hein. Bah, il est visible, hein. Donc ça va. Ah, par contre, ok. Bon, OZ des pièces, hein. Voilà. Next. Ah merde, je voulais descendre. Allez, sortie secrète. On refait la même. Oh merde. Voilà, ça passe nickel. Allez, prends en fleur. Donc là, on va récupérer la clé. Ici, voilà. Ok, j'ai vraiment du mal. Sauter et tenir quelque chose, c'est vraiment compliqué. Ah, c'est bon. On t'a vu, Mario. Bon, bah, la suite, hein. Donc là, ça nous mène directement au monde 8, hein. Vous l'aurez deviné. Enfin, au monde 7, pardon. Voilà. Et nous, on va faire un dernier niveau pour accéder à la spéciale. Ah, ça c'est les ennemis de Super Mario Bros 3, ça. Qu'on retrouve d'ailleurs dans Super Mario Bros U et Super Mario Bros 8, je suis pas sûr. Il me semble que si, hein. En fait, leur spécificité, parce qu'on n'a pas le temps de le voir, c'est qu'ils lancent des sortes de si. Attends, je vais essayer de... Enfin, je sais pas s'ils le lancent dans le... Ouais, voilà.
Vous l'avez vu, quoi. C'est comme si ils envoyaient des billes balles, hein, ce serait la même, quoi. Ok. Ouf. Un peu court, mon sou, quand même. Pas juste. Ok. Je sais pas à quoi il va servir, ce P. Ah, c'est ici, je crois. Ouais. Sortie secrète. Oh merde! J'ai de la chance. Petite danse de Mario. Et voilà, spécial. Mais avant, on va finir le monde 8-5. Avec la sortie normale. Bon. La sortie normale n'est pas bien compliquée, elle était juste après. Hein. Mais bon. On va rusher. On va le chier. Oh, je te le fais en arrière. Non. Ah, mais saute. Interchangeage de Noko. Ok. Allez, je te fais bugger, moi. Ah non, il y a un boss. Ok. Oh putain, il est chaud. Finalement. Et non, c'est un peu plus compliqué que prévu. Ok. Ah. Je dis pas non. Si je garde la fleur, ça va être un peu plus easy, je pense. Hein. Là, on va prendre de l'élan. On le dégomme, lui. Voilà. J'ai envie de faire bugger. Bon, merde. C'est pas bien de faire bugger, hein. Faites pas comme moi. C'est juste pour prendre les pièces. Histoire de perdre du temps. Bon, allez. Allez, voilà. C'est tout bon. Donc, cet épisode. Je pense que cet épisode va être court, hein. Bon, est-ce qu'on peut le dégommer, lui? Ok. Ouais, c'est facile, hein. Oula, c'est plus dur, là. Je peux plus sauter! C'est quoi, ce bordel? Il est sous extasie, le machin, là. Je pouvais plus rien faire, quoi. Allô? Est-ce que c'est jouable? Limite, je vais faire à la plume, ce con. Oh, merde. Oh, putain. Allez, nous y revoilà. Cette fois, j'ai pris les plumes. Ça devrait être bon. De toute façon, on connaît le niveau, hein. C'est bon.
Comme quoi, il s'est fini une plume et puis vous avez sorti Secret. Hein. Enfin. Là déjà tu vois que ça va pas quoi. Ah bah c'est bon, avec la plume ça va. Mais c'est chaud sinon hein. Et bah voilà, on a fait le tour de l'étoile. Je peux pas revenir là? Ouais c'est parfait. Donc je vais vous montrer un peu le spécial. Donc à faire. Let's go. Master! Avec une musique de Smash Bros. Super Smash Bros. Melee, je suppose. Non, Brawl, c'est Brawl. C'est l'intro de. Ouais, c'est l'intro de Super Smash Bros. Brawl. Bon, bah, on se quitte ici. Ça a pris plus de temps que je le pensais à cause du boss. On se retrouve donc au prochain épisode pour faire ce Master. Qui devrait pas être trop compliqué non plus. Donc on va voir. Les Master World. Et quand on aura fini ces Master World, on va s'attaquer au château de Bowser. Et puis ça sera terminé. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. De vous abonner à la chaîne PokéShad. Comme d'hab, ça nous fait toujours plaisir. Hein. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis.